Antonia, bienvenue sur le mythique funiculaire de Fribourg. On a à peu près 2 minutes pour faire connaissance et que tu nous donnes envie de venir te voir sur la scène du Nouveau Monde le 28 mars prochain pour ma thèse en 180 secondes. Peut-être est-ce que tu peux me raconter un petit peu déjà comment est-ce que tu es arrivée ici? Oui, merci. Moi, comme tu as dit, je m'appelle Antonia. Je viens du Far East de la Suisse, du canton d'Appenzell Rhodes Extérieur. Et ça fait une dizaine d'années que je me suis installée sur Fribourg pour étudier et maintenant pour poursuivre le doctorat. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ma thèse en 180 secondes quand on est plongé dans un sujet comme ça? Bon, déjà, c'est un grand défi. 3 minutes, c'est rien. Devant un public large, ça va aussi être un défi. Parler français, qui n'est pas ma langue maternelle, ça peut aussi être un défi, mais je trouve que c'est surtout une très belle occasion de sortir un peu des murs de l'université et de se présenter avec ce qu'on fait tous les jours, en fait. Sur la scène du Nouveau Monde, tu auras 3 minutes pour nous expliquer ton travail. Ici, je te donne 3 mots. Est-ce que tu peux nous résumer ta thèse en 3 mots? Je dirais les 3 mots-clés, ça serait échange, journalisme et démocratie. Ah, voilà un sujet qui me semble titiller. On arrive presque au bout du trajet. Si tu devais dire aux gens quelque chose pour qu'ils viennent te voir, leur donner envie, qu'est-ce que tu leur dirais? Bon, je crois que ça promet d'être une chouette soirée. J'ai déjà pu voir un peu aussi les présentations des autres et faut pas hésiter, faut juste venir. Super, alors on se revoit le 28 mars au Nouveau Monde à 20h. Merci Antonia. Merci.